Good morgen, allez, Idan, les sutres aujourd'hui, le Longishmat, Mouyou Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Shlomo Binyamin, Ben Mazan, ainsi que les Rufat, Sarah Bat Beti Rivka, Rufel Zulun, Ben Chayam Aliya, Myriam Bat Rassida, Dov Ben Yudit, Betor Chakron Israël, si vous êtes aussi des deux, une prochaine étude de Mishnah, contre la 5 minutes éternelle, nous étudions à Sechet Rolin, Perek, Dalet, Mishnah, Vav, Behema, Shnechtechou, Aglea, Mina Arkova, Olemata, Aksheva, Mina Arkova, Olemala, Psula, Vechen, Sheni Tal, Tzomet, Agidim, נשבר העצם, אם רוב הבשר קיים, שחיטתו מטהרתו, ואם לאו אין שחיטתו מטהרתו. בוא, on a une משנה très dure sur la planche. בעזרת השם, לא. Dur, c'était pour la préparer. J'espère que maintenant, quand je vais l'expliquer, ça va bien se passer. Vous voyez qu'un long Barthénora, c'était assez long, difficile à comprendre. On parle d'anatomie, mais avec des termes anciens. Et c'est fréquent qu'il y ait des erreurs entre ce que la Mishnah, la Gemara a utilisé, et ce qu'en hébreu moderne on utilise. Donc la grande chose à ne pas faire, c'est de plonger à expliquer une Mishnah selon ce qu'on comprend avec notre hébreu moderne parlé. D'accord ? Bon, je vous explique très vite fait d'abord. On va parler de tréfot. On va parler de tréfot des animaux lorsqu'il y a un os cassé, dans les pattes spécialement. D'accord ? Alors, je vais vous présenter très vite fait la patte, comment elle est. C'est comme chez l'homme, on a trois morceaux. D'accord ? On a le fémur, le premier os, qui est rattaché dans le bassin. Après, on a le tibia péroné, devant et derrière. Et après, il y a le pied, métatars, je crois que ça s'appelle en termes... d'accord, le pied. Le pied, c'est composé en fait essentiellement d'un premier tronc, avec dessus ensuite, où il va y avoir plein les pieds, les doigts de pied qui vont être rattachés dessus. D'accord ? Donc on a trois parties, trois prakim, un pérec, trois tronçons. D'accord ? Trois tronçons. Maintenant, on va parler maintenant de deux choses. On va tout d'abord... Je vous explique d'abord ce qui se passe à la fin de la Mishnah, ça va nous aider ensuite pour revenir, parce que là-bas se trouve un élément en fait qui va être décisif pour expliquer toute la Mishnah. Le problème de la Mishnah, quand on se casse un os, c'est pas grave en théorie, l'os, les tissus se régénèrent, il n'y a pas de tréfa en général, à une exception. Si l'os, quand il s'est fait casser, il y a eu en plus de ça de la peau et la chair qui a été aussi déchirée, arrachée. D'accord ? Un os qui était à blanc. Et là, il y a une limite. Si il faut nécessairement, pour qu'il n'y ait pas un problème dans cet os, que ce soit considéré encore comme un membre qui est vivant, il faut nécessairement qu'il reste la majorité de la chair. Plus précisément, la majorité dans la quantité et dans le pourtour. Il faut qu'il reste le pourtour, majoritairement le pourtour, et en plus de ça, dans l'épaisseur aussi. D'accord ? Imaginez, je sais pas, je ne vais pas prendre. Il y a un os comme ça, et vous avez tout cette chair, d'accord, qui encercle l'os. Il faut qu'il y ait la majorité, aussi bien qu'il soit recouvert dans son pourtour, et qu'il ait en plus de ça la majorité de la chair qui est restée. Si il y a donc cette majorité de chair qui est là, avec ces deux conditions, alors l'os va se régénérer et il n'y a aucun problème d'os mort. Si toutefois il ne reste plus cette quantité de chair, alors l'os va mourir. Le membre, il est mort, il est déjà considéré comme mort. D'accord ? Même si concrètement, il est encore relié. Il y aura deux conséquences à cela. Tout d'abord, même si on égorge l'animal et qu'on va vouloir manger l'animal parce qu'il n'y avait aucun problème de tréfa, c'était dans un niveau où il n'y avait pas de problème, on va vouloir manger l'animal, ce membre-là, là, cette suite, on ne pourra plus le manger. Parce que lorsque l'os s'est fait casser avec la chair qui a été arrachée, eh bien, ça s'appelle un ever medouldal. C'est un membre qui pendouille, qui est plus vivant, qui est plus rattaché au corps, et donc il y a un problème de ever minachai. D'accord ? Au même titre que si j'arrache un doigt, un pied, un doigt d'un animal, et après j'égorge l'animal, et j'ai pas le droit de manger le pied à cause de ever minachai, le doigt que j'ai arraché, eh bien le même principe aussi, même si c'est encore resté rattaché, mais l'os a été cassé avec la peau qui a été majoritairement, avec la chair qui a été majoritairement partie, eh bien ça s'appelle un ever medouldal. Ça c'est la fin de la Mishnah explicitement, on le verra ensuite quand on fera la Mishnah. Partant de ce principe, maintenant on revient sur le début de la Mishnah. Le principe du début de la Mishnah, maintenant, il est de me dire que, sache qu'à part ça, à part le problème de perdre un membre, il y a des problèmes de tréfaute. Si la bête elle prend un sale coup, ou ça va lui arracher un bout de chair et un bout d'os, selon le niveau du pied où ça s'est produit, l'animal va être soit kasher, soit taref. Taref, ça veut dire qu'il va être non viable. D'accord ? C'est quoi exactement ça? Alors là, on a le terme particulier de la Mishnah qui s'appelle le Mina Arkuva. Depuis la Arkuva est en dessous, depuis la Arkuva est au-dessus. Et alors là, c'était là le côté très difficile à comprendre, c'est quoi la Arkuva? Il y a le Barthénois, il nous rapporte
deux longues explications. Si vous faites attention, il y a deux pavés. La première partie, c'est de prendre une première direction pour expliquer à la Mishnah où l'Arkova, ça signifie la cheville. Et donc, finalement, on va nous apprendre que sous la cheville, si on a l'animal, il s'est fait casser l'os de la manière atroce, comme on a dit, avec la peau qui a été arrachée, malgré tout, l'animal est viable. Mais si ça s'est produit au-dessus, on a eu là-bas un os qui a été cassé avec la chair qui a disparu là-bas, eh bien l'animal, il est taref. Il est plus viable, et l'animal, on ne pourra plus lui faire la chrétien et le manger, parce qu'il est devenu taref. Ça, c'est une première interprétation de Arkouva, que, je ne sais pas c'est quoi, Yanouklou, en ancien français, je ne sais pas ce que ça veut dire. Il rapporte ici, Knekel en yiddish, c'est la cheville. D'accord ? Ça fait knack, ça claque tout le temps. D'accord ? Ça, c'est la première explication. Deuxième explication, maintenant, du Bartanoura, c'est de suivre le Rambam et le Rif. Et alors là, j'ai vraiment galéré, parce que j'ai l'impression qu'en fait, que le mot Arkouva ne veut pas dire cheville. Le mot Arkouva, il veut dire jonction, entre deux tronçons. Donc ça peut être des fois le genou, ça peut être des fois la cheville. Sinon, j'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe, c'est pour ça que j'ai galéré. Ça m'a même mis un peu en boule d'avoir perdu tellement de temps, parce que il est tard, et je voulais vite finir le cours pour aller dormir. Du coup, j'ai passé plus d'une heure, près 50 minutes à me retrouver, quoi. Enfin, concrètement, j'ai l'impression, en tout cas, que le Rambam, il va avoir une autre interprétation, en fait, où finalement, on va pas te mettre le niveau de la cheville en dessous et au-dessus, mais on va plutôt parler la partie inférieure, la partie supérieure, et dans la partie du milieu, ça dépend où ça s'est produit. D'accord ? Je sais pas comment ça rentre dans le mot Arkouva. C'est plus ou moins l'image générale de la Mishnah, avec encore une petite précision comme ça, après quand on lit la Mishnah, on fait ça très rapidement, on a tout compris. Il y a ce qu'on appelle le Tzomet Agidim. Désolé, j'ai cherché pour trouver exactement la traduction exacte. Et je ne l'ai pas trouvé. C'est Tzomet Agidim. Tzomet, d'abord, ça ne veut pas dire un carrefour. Même si on utilise le mot carrefour, en hébreu moderne, pour dire un carrefour, c'est un Tzomet, c'est pas ça. Tzomet Agidim, c'est une chaîne de Tzama, quand on fait une natte. C'est là où on se croise. Il y a dans l'os, dans le genou apparemment, ou plutôt, plus précisément, ça se trouve en bas du tibia. Il y a là-bas trois nerfs qui font une forme de... qui se roulent ensemble, quoi. Donc ça s'appelle comme si qui forme une natte de nerfs qui se trouve en bas du tibia. Cette natte-là, même si on a le pied qui est entier de l'animal, mais cette natte-là qui a été retirée, eh bien, il va s'avérer que l'animal, il est devenu non viable. Et entre parenthèses, aujourd'hui, il y a des graves problèmes de tréfaute dans les poulets à cause de ça. Parce que je crois que c'est qu'il les pique de là-bas. Je ne connais pas exactement comment ça se passe. Ouais, peut-être qu'il faudrait que je rentre un petit peu un jour dans la shrita, je suis un peu sensible à tout ça. Mais en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, ils piquent les poulets aux hormones. Il y a une tendance à les mettre dans ces endroits-là. Et ça peut des fois faire des problèmes de shrita. On s'en occupe, on vérifie ce qu'on appelle les tzomet agidim. Tzomet agidim, c'est la natte de nerfs qui se retrouve en bas. Ok ? On a fini de présenter toutes les notions de la Mishnah. Alors maintenant, on va faire, quand je vous expliquais maintenant la Mishnah, je vais juste vous expliquer sur la première explication de Bartanoura, et on fait ça tout de suite. Bim, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile, et je suis plus sûr de mon coup que d'avoir compris. Alors que d'après Rambam, j'ai vraiment beaucoup de mal dans des petits détails. Behema shenertechu aglea, un animal à qui on a coupé les pieds. On lui a amputé les pieds. Minar kuva ou le mata. Si ça s'est produit en dessous de la cheville, kshera, l'animal il est kasher, on a cassé l'animal, et c'est, peu importe, c'est pas volontairement, c'est passé dans je sais pas quoi, d'accord, sous la moissonneuse, peu importe, le pied est resté dedans, quick, ça l'a arraché, eh bien l'animal il est kasher si c'est passé sous la cheville. Minar kuva olomala, par contre si c'était au-dessus de la cheville, psula. Pour le moment, on ne se rend pas la tête, à savoir le pourtour et l'os et tout ça. L'animal, on l'a entièrement coupé le pied. D'accord ? Prenez-le comme ça si vous voulez. En réalité, c'est même pas la peine. Il suffit même que l'os ait été découvert, comme ce qu'on a dit, comme ce qu'on va mentionner dans la Mishnah. Donc, Minar Kuva Olmala, si ça a été au-dessus de la cheville, Psula. L'animal, il est devenu taref. Il est plus viable. Maintenant, Nital Vechen Shenital Tzomet Agidin. Ou encore, un autre animal duquel a été retiré le tzomet agidin, cette natte de nerf qui se trouve dans les pieds. Ok, on a fini la première partie de la Mishnah, et on continue dans la deuxième partie. Maintenant, nishbara etzen, un os qui a été coupé. Imrov abassar kayam, s'il lui reste la majorité de sa chair autour, mais ça implique deux conditions, quantitativement et le périmètre.
Il faut que le périmètre, majoritairement, ils soient encore recouverts, et que la majorité de la chair soit encore restée présente. Alors, shritato metaharato. On parle là, le bâton est précis, on parle d'un en dessous de la limite où ça monte à taref. D'accord ? On est dans un endroit où ça monte pas à taref. Maintenant, la question, elle est de savoir est-ce que je peux manger ce membre ou non. Donc, s'il reste la majorité de la chair, comme on a dit, shritato metaharato. La shrita va le permettre. C'est-à-dire, il ne va pas être impurifié à cause de Nevela, mais il va même être permis à la consommation. C'est comme ça que c'est précisé, je l'ai vu. Par contre, ve'im lav, mais s'il ne reste pas la majorité de la chair, c'est-à-dire le pourtour et la quantité, eh bien, ed shritato metaharato. L'animal, il est cachère, il n'est pas taref. Ça a été produit dans un endroit où ça ne rend pas taref. Ouais, on peut manger un animal à qui il manque un bout de pied, c'est pas grave. C'est pas soul pour le misbéar, c'est un moum, mais pour la consommation personnelle. Si c'est pas taref, il n'y a aucun problème, l'animal est viable. Mais malgré tout, la question est de savoir ce que je pourrais manger ce petit membre. Eh bien, en shritato metaharato, la shrita ne va pas même le purifier, il aura un statut de nevela, parce que c'est un statut de ever minachai. Étant donné que ce membre-là, maintenant, puisqu'il est plus viable, c'est comme si, qu'il a, en français, j'ai dit une gangrène, je crois. C'est quand il y a, chas v'shalom, un membre qui est encore attaché au corps, mais qui est mort. Eh bien, c'est un ever amedouldal, par définition. Et donc, dans ce cas-là, il est mort, donc, ce membre. Donc il n'est plus permis grâce à la shrita de l'animal. Bon, franchement, on s'en est sorti. J'espère que c'était assez clair. Je vous souhaite une journée pleine. D'Atzlacha Kol Tov. Salam.